facteur déclencheur de cette campagne RSE, ça a été l'AG de l'OSV en 2021, où présentait Sébastien Kopp, le patron de Veja, présentait sa stratégie RSE. Et ça a vraiment été un déclic sur comment nous, on va le faire aussi. Ce qui fait peur, c'est qu'on pense que c'est réservé aux grandes entreprises et on se dit, je vais pas avoir les moyens, je vais pas avoir le temps. Donc la force de l'accompagnement OSV, c'est un accompagnement par des professionnels du RSE, mais qui savent s'adapter à tout type d'entreprise. La réaction face au bilan, c'est aussi qu'on était assez loin du compte. C'était une grosse prise de conscience. Alors les trois grands piliers de notre stratégie RSE produits de cet accompagnement, c'est le lancement de la location, rapprocher les associations et une épuration de l'offre. Alors on a commencé par la location, qu'on a mis en place avec un logiciel spécial cette location. On a recruté quelqu'un spécifiquement pour le faire et ça a été mis en ligne en juin. Et on a déjà eu nos premières locations. Et sur le volet relation avec les associations, on a aussi fait un deuxième recrutement d'une personne qui était très impliquée chez Vélo en ville à Marseille et qui va nous aider à travailler avec elle. Ensuite, l'épuration de l'offre, c'est beaucoup plus long, ça va être beaucoup plus fastidieux. Donc ça, on l'a initié, mais on sait qu'on a encore beaucoup à faire. Avant, on allait chercher souvent au moins cher, au plus disponible. Et aujourd'hui, en fait, on a un nouveau critère qui est de savoir d'où ça vient et comment on épure ce sourcing. Donc en fait, l'accompagnement nous a permis de mieux structurer notre stratégie à moyen et long terme, de redéfinir pourquoi on était là, promoteur du vélo taf, mais aussi pour sourcer des produits mieux fabriqués, savoir d'où ils viennent. Et ça, c'est très différenciant par rapport à la concurrence. Ça répond aux attentes du marché. Et donc c'est bon sur tous les plans.